Hello everyone, welcome to Anything Real Estate with Monette. Today, as promised, we have Joseph Sherry, who's an expert in mortgages and is going to be talking to us about what is required to get a mortgage. Bonsoir tout le monde, bienvenue en l'autre fois dans Anything Real Estate with Monette. Jodi a nous mené avec nous Joseph Sherry, qui sont experts dans causer mortgage et la parler avec nous comment qui sont besoin leur besoin pour mortgage, qui ça qui requirement. Welcome. Thank you. So where do we start? Let's talk about what, when somebody comes to see you, what are you requiring of them? Well, first, people need to understand there's a process, and the process is very simple. First, you have to be pre-qualified or pre-approved. What does that mean? Well, that means you can't go out there looking for a house if you don't know how much money you have available. So in order for you as a real estate agent to go out looking for a house for someone, you need to know what kind of range that they can purchase. Exactly. And people can't go out there and say, I want to buy a $500,000 house, I want to buy $1 million house, if they don't know that a bank is willing to give you that kind of money. So that's the pre-qualification process. That is, you provide me with a set of documentation that I ask for, and based on that information, I run some calculation that helps me to determine how much money you qualify for. So that means that based on your credit, based on your income, based on your debts, that we can tell you this is how much money you can officially and safely, really safely, take on as additional debt. Now, let's say that I want to live in Boston, for example. And then somebody called me and said, you know what? I don't want to live anywhere else. I want to live in Boston. How do you answer that kind of questions? How do you approach that? Well, I always tell people, when you want to buy a house, you always naturally have a wish list of places you would like to live. But the reality is that you can only decide of where to live based on how much a bank is willing to give you. Exactly. So your wish list is your wish list. But my pre-qualification, and when I say mine, I mean it doesn't matter who's giving you the pre-qualification. The pre-qualification you receive determines where you can purchase. So now let's try to put it in Haitian Creole so that our folks can understand exactly those people of the barrier. Because we do this video in both languages. All right, no and problem. That's why we have you so, here. So the question is, quand il y a un monde dit, vive l'âge ton carré. Et les vins côté où, les dit, ah, bonnette, m'intéresse à acheter, m'aime acheter deux familles là, mais c'est ma la peine m'habiter connu, m'a travaillé dans la zone downtown Boston là, donc m'aime gon caille dans la zone ma la peine, Dorchester, Hyde Park, peut-être Wazenda. Ok. Well, ça, c'est liste côté monde intéressé à habiter, naturellement, nous comprenons le fait que les vins étaient pré-travaillés. Mais, en vie ça, Ça c'est désir. Parce que réalité c'est que moun nan li même s'il pa gen mod l'argent que le besoin pour acheter kay dans zone sa yo, il pa besoin acheter kay. Ça veut dire c'est l'argent qui détermine koto kay. Exactement. OK. Vous comprenez? Tout moun achete rad pou yo met sou yo. Exactement. Mais nous tout pa achete rad même côté. Exactement. Gen des côtés gen là nous qui pa besoin entrer là. Exactement. Ou gen des côtés moi même moi pa besoin entrer là. Pour qui ça? Parce que moi pa ka payer mod l'argent sa yo. D'accord. So en gros, c'est qui type de loan d'habitude qui vient de là? Pour nous avoir une idée, qui type de loan qui de là, qui ça qui est plus commun? On peut aller dans tout, on est en pile, mais qui type de loan qui est plus commun? On a fait une balle en créole et puis on a viré en anglais parce que nous nous bénéficier. Gagner différents types de loan, ok? Mais ça qui est important pour qu'on ait, c'est que gagner deux courants de loan. Gagner une série de loan que vous considérez comme des loans qui est garanti par le gouvernement. OK? Donc, c'est-à-dire que moi-même, comme une banque, moi, bon loan, right? Mais le gouvernement lui-même garantit le loan pour vous. Oh, OK. OK? Okay. Maintenant, okay. Garantie ça, il y a avantage là-dedans pour vous. Oui. OK? On a l'autre courant de loan lui-même qui n'est pas garanti par le gouvernement. Donc, généralement, il y a le conventional. OK. All right? Conventional loan. Maintenant, ça qui passe, c'est que conventionnellement, on a demandé pour gagner un down payment.
Et down payment en généralement c'est entre 5 et 20% de gouvernement loan qui garantit par gouvernement. Avantage que le barreau, ça dépend de qui branche le gouvernement, de qui programme le crédit. Mais généralement, ils permettent que vous achetez carrément avec un down payment qui est plus bas. Mais il faut nous comprendre ça, Nabdi là. Down payment, qui ça dit? Ou achetez ton carré. Banque là a baou un loan pour acheter carré. Mais banque là pas j'aime tout comme là. Jamais. Si carré là vaut 400 000 dollars, banque là pas vaut 400 000 dollars. Parce que banque là veut pour ou même tout ou investir dans carré là même bien avec lui parce que son risque là prend. Les besoins pour prendre risque tout. So, lui mandé pour bailler 20%. Donc sur 400 000 dollars par exemple, au besoin 80 000 dollars. Yeah, 20%. Right? 20%. 80 000 dollars. Sous bagay 80 000 dollars ou pas là dedans. Maintenant, gouvernement lui-même qui vient avec programme qui garantit loan ça. Il dit bon, on t'a passé. Ou mettre ba moun sa loan là même là pas cadeau. Avec même si pas ba 80 000 dollars. Disons ou gen doit balil avec 3.5%. Bon, 3.5% qu'on y a là vini ou a fait de disons 12 000, 15 000 dollars. On dit 15 000. À peu près ça. Donc, la différence, nous sortons de 80 000 dollars à 15 000 dollars. Ils permettent qu'on soit capable d'acheter. C'est ça d'ailleurs l'Américain du monde. Exactement. So, moi-même, comme banque, je me dis non, je ne vais pas faire 400 000 dollars avec 15 000 dollars down payment parce que ça veut dire que Mounsa n'a pas pris un risque assez. Ok. Le gouvernement dit pas de problème. Balil, je garantis. Donc, ça veut dire que si Mounsa a voué Tintin, je garantis qu'il n'y a pas de problème. Okay. Mais en attendant, il ne faut pas oublier, le gouvernement n'a pas pris un risque net. Parce que Kounyala, Kounyala, il dit que je vais avoir le nom avec un petit down payment qui est petit, mais le gouvernement Kounyala a forcé pour payer une assurance sur le mortgage. Donc, l'on paye le nom. Comment l'assurance ça, elle est? Il y a le mortgage insurance. Yep, et ça, nous, le PMI là? Yes. Ok. Okay. So, Kounyala, l'on paye le mortgage chaque mois. Le mortgage là, gagne. Et comme copropriété, plus intérêt pour payer sur lui, il y a assurance sur Kaila, il y a taxe pour payer sur Kaila, et puis il y a assurance sur mortgage. Ça veut dire, même sa casse, alors pas pour 20%, il permet ou bien opportunité pour faire, mais il y a des choses qui viennent avec. Oh, oui, définitivement. C'est pas grand rien qui baisse. It's a give and take. Yes, mais tout bagarre là pour nous connaître. Ça qui est important. Tout ça qui est important là-dedans, là, c'est le fait que si vous qualifiez pour une loan que le gouvernement lui-même garantit, il permet que vous achetez là avec moins de scope dans le monde. Donc, ouais, au sorti de, au lieu que vous venez à, pour 400 000 dollars, au lieu que vous venez avec 80 000 dollars. Majorité dans nous parle de 80 000. Exactement, il permet que vous achetez là avec 15 000 dollars comme ça. C'est la toute importance. So, thank you again, Joseph. I appreciate your help on this and I hope that we can have you again here because I'm sure people are going to have comments, suggestions. I'm looking forward to see you. And how do they get to you? Because I'd like for them to know who you are and how to get to you because he's the money guy. Now, we didn't say this from the beginning. Again, my name is Joseph Sherry. I am a mortgage loan officer with Bay Equity Home Loans. My office is in Southeastern at 619 Southeast Washington Street in Southeastern. And you can reach me at the telephone number 617-306-6400. Now, I answer my calls from 8 o'clock in the morning until 6 p.m. Any call after 6 p.m., you have to wait until the next day for me to return. Thank you again, Joseph. My pleasure. And that was a pleasure to be here at Anything Real Estate with Monet. We're looking forward to see you. Our numbers and Joseph's number is going to be on that YouTube channel. You can reach out to him. You can reach out to me. And then we can get you connected with a loan officer and to get you home. We're here to get you home. Thank you again. Hope to hear from you.